Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle. Comment ça va? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Resident Evil 4. Oui, je sais, je devrais dire Resident Evil 4 ou Resident Evil 4, mais je m'en fous, je dis ce que je veux. C'est mon souci. Ouais, ça a l'air de s'exciter dehors. Bah ok. Je crois que le jeu essaie de me faire comprendre que c'est pas par là. Ah, c'est les corbeaux. Oui, je sais, c'est pas nécessaire vu le fric que j'ai, mais je m'en fous. J'aime beaucoup, j'aime énormément l'ambiance de cette partie de la map. J'aime beaucoup le château en général dans ce jeu. Sérieusement. Bon, j'ai bien fait passer par là, j'ai failli louper ça moi. Ok. Mais bon, ok, on prend une petite grenade à la con. Attends. Deux secondes. C'est lourd, c'est verrouillé de l'autre côté. Peut-être que si quelqu'un m'aidait, j'arriverai à passer par là-haut. Ok, d'accord. Faut aller récupérer Ashley. Très bien, allons récupérer Ashley. Pas de zombies ici. Par contre, il y a un point de sauvegarde droit devant. Allons-y. Ah ouais, c'est là où on se bat contre Ada, non? Ouais, c'est là. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Ouais. Ouais. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ouais. Ils ont réussi à rendre Resident Evil 6, enfin la Ada de Resident Evil 6 plus moche. Je veux dire, là elle est sexy dans le 4. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? T'aurais pu le faire sans faire exploser tes lunettes. Hein. Ah tiens déjà. Mais bon, ça fait 3 minutes 28 de vidéo, on va peut-être continuer. Hein. Quand même. Cette salle, par exemple, je l'aime beaucoup. Il y a plein de petits détails, elle est classe. Et franchement, c'est typiquement le genre de pièce où moi, si tu me demandais de vivre dedans, bah, pas de soucis. Je le fais. Déjà, parce que, oh, regarde, la vue que tu as. Bordel de merde. Attends. Ah, ça représente bien une personne. Hein. Puis bon, l'ambiance et tout. C'est calme ici. Ça fait plaisir, j'aime bien cette zone parce que bah, tout simplement c'est une zone calme. C'est pas le stress dans le coin. Les développeurs ils ont quand même pensé à te mettre deux ou trois zones où il n'y avait pas de zombies. Puis bon, après que tu te sois tapé des heures à des heures de village de bouseux là, ça change un peu. Hein. Ouais, là par contre j'aime déjà moins. Bon, l'ambiance c'est peut-être pour quelque chose, un dessert pour apprécier les années qui restent. Waouh, qu'est-ce qui se passe avec la zik? La viande nourrit la chair.
Un dernier verre et la bouteille se brise, nous renvoyant la poussière d'où nous venons. Ah oui, je me souviens de ce passage. Ah, il est lourd. Ouais, très lourd. Ben voilà, la musique s'est calmée. Ouais, attends. Finalement, je fais tout ça pourquoi? Je suis en droit de me poser la question là, parce que je fais juste un grand aller-retour. Oui, ces bruits, je sais très bien ce que c'est les foutus corbeaux, c'est bon. Apparemment, dans ce jeu, ils sont pas dangereux, ou alors ils deviennent dangereux plus tard, je sais plus. En tout cas, je me souviens pas combattre des corbeaux dans ce jeu, donc peut-être pas en fait. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Eh oh, l'espèce de... Non. Non mais, sérieux? Bon, écoute. C'est bon, il n'emmerde plus. Je peux le laisser en vie. Putain, pas facile à toucher un serpent. Bon allez, je lui fous la paix. Ah oui. Un coup de pied dedans, ça fait rien, mais un coup de couteau, ça le fait tomber tout de suite. Ouais. La logique. Bon. En même temps, on va faire un peu de place, hein. On va faire un peu de place tout de suite, voilà. On dirait de la boue. Sérieusement. Et du coup, est-ce que j'ai récupéré quoi que ce soit pour... Clé obtenue. Non, attends. Oui, bonjour le serpent, tu me fais pas chier, ok. Vous avez besoin de mettre le truc dans la pâte maintenant. Non, c'est bon. Ok, ok, ok. Alors j'aime beaucoup cette zone, j'aime beaucoup cette pièce. Mais je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi de temps en temps, il y a des pièces ou des zones dans les jeux vidéo où je pourrais passer des heures. Hein? Pour de vrai. Voilà, c'est bon, fuck. Ça va me faire chier à ramper partout ce truc là. Enfin bref. Et ben moi, c'est ce genre de pièce là, là où il n'y a rien. Je veux dire, typiquement, moi, c'est ce genre de pièce où je pourrais être avec des potes et puis faire une partie de cartes. Tiens, peut-être installer une chaîne stéréo derrière, histoire d'avoir un peu de zik quand même. Mais autrement, dans l'idée, c'est ça. Voilà, on va prendre le jackal. Non mais sérieux, je sais pas pourquoi j'ai fait tout ça. Hein. Je pense qu'il faut que je revienne en arrière. Ou alors... Non, je sais. Par là. Par là. Ah voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, attends, il faut peut-être que je bousille des trucs dans l'ordre. Bon, alors attends, c'était quoi l'ordre? Alors, faut que je trouve les trucs, les panneaux. Hein. Donc, un dessert pour apprécier les années qui restent. Le repas de la vie commence par le pain. Alors, le pain. Le pain d'abord. Le pain d'abord. Le pain, la viande, le dessert. Et le vin. Alors, le pain, la viande, le dessert et le vin, ok. Merde, c'était où? Ok, allons-y. Le pain. Oui.
C'était pas ça? La viande. Ça, ça doit être le dessert. Et le vin? Ah, il fallait juste bousiller la bouteille de vin. Ah, moi je croyais qu'il fallait faire ça dans l'ordre. Oh, encore. C'est simple en fait. Oui, non, mais j'ai essayé. Ouais, non, mais je vais crever, hein. Faut que je tue les mobs. Hein. Putain. Nope, ça passe pas. Je sais pas ce que je dois faire. Wow, ouais, comment tu peux savoir où j'étais, abruti? Non mais sérieux, comment il peut savoir où je suis? Voilà, ta gueule. Putain. Allez, dégage. Putain, la vie que j'ai perdue. Enfin, le fait est que j'ai survécu. Par une magie qui m'échappe à moi-même, en fait. Putain, c'était tendu, hein. Ouais, j'ai pas beaucoup parlé, là, parce que j'étais juste concentré, en fait. Connerie, va. Par là? Non, c'est pour sortir.
Je le sens pas. Mais je le sens vraiment pas, hein. C'est une zone à mob, ça. Je pars ici, je vais là. Ouais, voilà. Bon. Ok. C'est juste ça. J'ai plus de vie alors vos gueules. Merci. Vous êtes gentil. C'était facile. Vous vouliez pas lâcher des herbes vertes, non? Non? Ok. Ah, d'ailleurs, c'est là où on te donne le lance-roquette pour la première fois. Non. Non! Non, je veux pas, j'ai pas la place, je veux les munitions! De toute façon, le lance-roquette, c'est pas absolument nécessaire. Tu peux finir ce jeu sans le lance-roquette, hein, aucun souci. Ah, bordel, le merdier que j'aurais à revendre. Ah, il va y en avoir là. Ah oui. Voilà. Bon, c'était pas bien dur en fait. Je pensais que ce serait plus dur. Je pensais qu'ils auraient fait popper des mobs depuis en bas en fait. Ça aurait été beaucoup plus dur que ce petit couloir étriqué où ils pouvaient pas échapper à mes balles. Bah tiens, le vendeur. D'ailleurs, on arrête de faire le con. Bien, bien, bien. Vendeur. Hey, salut. T'as des objets rares. Ouais, super. Bon, alors déjà, ton putain de Magnum, tu vas te le reprendre. Parce que sérieusement, il me sert à rien. Ouais. Bon, bah déjà, la mallette XL, je veux. Merci beaucoup, connard. Alors, c'est quoi le meilleur flingue que t'aies? Punisher, c'est la merde, Blacktail. Ça a l'air bien ça. Je le garde en mémoire. Fusil semi-auto, non, c'est bon, pour besoin. Lance-mine. Lance-roquette, cross red 9. Lunette du lance-mine, non, c'est prêt pour nous. Oui, ben ça, j'ai besoin. Putain, c'est cool d'avoir la mallette XL. On va acheter le Blacktail là. Et puis après il sera vraiment temps de faire de... du rangement dans mon inventaire. Merci beaucoup connard, et arrête de te marrer à chaque fois. Attends. Déjà, une chose que je dois faire, me soigner, vite. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, j'ai des merdes à te vendre, tout plein de merde. Alors, les grenades, allez. Merci. Merci. Tiens, reprends tes merdes là, que tu laisses traîner partout, parce que je suis sûr que c'est toi qui les laisses traîner.
Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Ah. Je m'en fous que tu vas l'acheter cher ou pas. Reprends-le, c'est tout. Je m'en fous d'à quel prix tu le prends là actuellement. Fais ce que tu veux. Du coup, j'ai rien d'autre que je peux optimiser. Hein. Ah si, l'oreille de gun. Cool. 6,5. Merci beaucoup. Bon. Allez. On réorganise toutes ces merdes. Alors, bon, déjà. Tout ce qui est munitions, ça va partir en bas. Vraiment. Il y a besoin. Merde. Pourquoi j'ai fait ça? On va faire de la place. J'aime quand c'est organisé. Voilà. Là, c'est déjà un peu mieux. Tout ce qui est armes, c'est par là. Voilà, nickel. Voilà. Bon, je savais même pas que c'était équipé. Je vais peut-être acheter le fusil semi-auto, non? What are you buying? Is that all? Juste voir. Je vais être sûr, mais. Ok, il faut que j'achète la lunette aussi, hein. What are you buying? Is that all? Ouais, ok. Bah, c'est juste pour faire le test, hein. De toute façon, les pièces étasses, j'en ai. Voyons voir. C'est les mêmes munitions que le sniper. Ok, mon ancien sniper, il vire. What are you selling? Désolé, je t'aimais beaucoup, mais bon. Thank you. Is that all? Oui. Thank you. Bon, déjà, je veux racheter un truc de soin aussi. Is that all? Oui. C'est tout, stranger. Tac. Voilà, on va organiser un peu toutes ces merdes, hein. Il y a besoin là. Je peux pas le mettre là, hein. Non. Je me disais aussi, ça aurait été trop beau. Ah, j'ai quand même ce qu'il faut au niveau munitions. Par contre, je vais sauvegarder, on va pas continuer, on va s'arrêter là, mais je veux juste voir ce qu'il y a derrière la porte, si c'est bien le passage que je pense. Si c'est ça, je suis pas pressé d'y être. Oui, on va. Hey, salut. Leon, I got it. Ah. Je crois que ça veut dire que. Lewis. Sacré grosse bite qu'il a là, hein, le Lord Saddler. Bon, si jamais, voilà, je... Non, je veux pas sauvegarder du tout. Oh bah si, j'aurais pu. Non, attends. Non, attends, on va se retaper à cinématique. Attends. On va essayer de charger, comme ça, bah, vu qu'il y a... Chargé parti. On va se regarder la cinématique en entier. Je savais pas que c'était la fin du chapitre après aussi. Le jeu ne te donne jamais d'indication claire. Bon, pas grave. On recommence. Allez, on se retape la cinématique. Leon, I got it. Mais ça, en gros, c'est la bite de Saddler. Ah!
sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Lewis. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lewis! Lewis, le mec que je connaissais à peine et qui m'a juste aidé contre une invasion de zombies une fois et puis que je savais pas qui c'était. Mon dieu! Pourquoi? Ok. Bon bref. Oui voilà. Tu vois, on voit Ashley avec une lampe de poche. Je crois que c'est bel et bien le passage que je pense. Mais je veux aller vérifier. Oui, on avait vu. Bon, pour ceux qui voulaient le voir. Ça va, Ashley? Voilà. Bah, au moins, elle a arrêté de se débattre. Enfin, bref, on s'en fout, on a la sauvegarde, donc limite, on s'en branle. D'ailleurs, je pense que tu peux la libérer avant que la cinématique n'arrive. Tu vois? Voilà. Non, tu vas... Pourquoi t'arrives pas à te libérer d'ailleurs là? Excuse-moi, mais c'est... T'es conne ou quoi? Allez, au revoir. Ah, les abrutis, sérieux. Donc voilà les gens, si cette vidéo vous a plu, pour laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, à la mettre en favori, qui s'en fera vraiment plaisir. Aussi nous rejoindre sur notre page Facebook, enfin sur notre page Discord, enfin sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, allez bye. Voilà, donc il faut expier la pêche. Voilà. C'est vrai que c'est... Il faut tout nettoyer. Bon les gens, avant que vous mettiez des commentaires, on n'est pas cons, hein. On sait très bien ce qu'est un péché. Hein, merci. Oui, on sait ce que c'est qu'un péché, on... C'est un fruit.